Salut les barbus, aujourd'hui on est le lundi 23 mai 2016. Ah, et il y a tous les trucs qui se mettent à sonner. Et aujourd'hui c'était une journée pluvieuse. Je suis arrivé au boulot, j'étais tout trempé. J'ai dû me balader en short pendant plusieurs heures en attendant que mon jean sèche. Ah mais quelle nouvelle passionnante! Dis donc, ta vie est trépidante! Complètement trempé. Chaussures, futales. Ben on va se changer alors. Ben en attendant que mon pantalon sèche, qui est là. J'ai mis mon super short de sport. Trop la classe. Mais surtout aujourd'hui, j'ai récupéré ça. Qu'est-ce que c'est ça? Les accros de vieux jeux vidéo savent ce que c'est. Un zapper Nintendo. Mais c'est pas tout. Deux contrôleurs pour NES. Le premier est là. Et son petit frère est là. Et j'ai un espèce de contrôleur. J'ai aucune idée de ce que c'est. Mais qui est comme ça. Donc, peut-être les connaisseurs, si vous savez ce que c'est. Il y a une espèce de trou bizarre ici. Avec un sélecteur qui ne marche pas. Pour enlever une cartouche, un bouton Start Select AB. Et j'ai chopé ça où? J'ai chopé ça sur le bon coin. Parce que sur le bon coin, il y a plein de choses à choper. Mais, vous pouvez le faire de façon beaucoup plus efficace que vous le faites aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce que vous faites dans ma grotte? Monde de vilain barbu. Je viens récupérer ma palette à bière. Ouais, c'est toi qui as gagné la palette à bière, trop bien. Ouais. Et en plus, t'as eu la taille maxi. Et ouais, elle est là. Les deux autres, d'ailleurs, je les ai envoyés par la poste. Ils ont dû le recevoir. Et j'espère qu'ils se casseront pas. Bon, je vais en profiter, je vais boire les bières avec. Ouais, c'est bien. Et en plus, tu vois, j'étais nul. J'avais même pas de bière à vous filer. On reviendra pour les tester. Je suis sûr que comme moi, vous adorez faire des recherches de vos trucs préférés sur le bon coin et que de temps en temps, vous loupez des occasions inespérées. Moi, je vais vous expliquer aujourd'hui un petit truc qui va vous permettre de le faire de façon ultra simple. Alors, je lance en même temps mon truc de screencast sur mon ordi. Non, je ne peux pas le télécharger. Hop, démarrer l'enregistrement. Voilà. Et la première chose, bien sûr, vous allez sur le bon coin. Et vous allez lancer une recherche. Donc moi, je vais faire région parisienne. Et par exemple, je vais faire recherche dans le titre uniquement, NES ou je sais pas, Atari. Allez. Et je vais le restreindre par catégorie. Donc ces catégories... sur les jeux vidéo recherchés. Et par exemple, vu que je suis un vieux crevard, je vais mettre 50€ maximum. Voilà. Donc là, j'ai ma recherche. Ce qui est chiant, c'est que je vais être obligé de faire cette recherche à chaque fois. Et ben non, puisque... Et ben en fait, il y a un petit outil qui permet de transformer vos recherches en flux RSS. Vous ne savez pas ce que c'est un flux RSS, c'est dommage pour vous. Donc là, je vais mettre Atari 50€. Je vais rentrer l'adresse de la page et je l'enregistre. Je copie ça. J'ouvre mon lecteur favori de flux RSS qui est NewsBlur. Et je vais rajouter ça dans ma liste de flux que j'ai déjà. Plus. Le bon coin. Et je l'ajoute. Voilà. J'ai jeu vidéo Atari ST, nanana, nanana, et donc, qui est dans mes flux RSS. C'est-à-dire que ici, par exemple, en ce moment, je cherche un MIG à m'acheter. Et là, je vois, par exemple, là, il y a un MIG à 300 balles.
une bobine de MIG, de la bobine de MIG, un MIG à 550, un MIG à 80 euros, un petit MIG sans gaz à 200 balles, ça c'est intéressant. Et ça me permet régulièrement d'aller sur mon lecteur de flux et de voir toutes les annonces et de ne pas avoir à refaire les mêmes recherches tout le temps. Ça me permet d'optimiser les trucs et de trouver des trucs comme ça, où j'ai acheté les 4 contrôleurs pour 15 balles. Qu'est-ce que je vais en faire ? Je sais pas trop pour l'instant. Je pense que je vais convertir ce zapper en lampe. Je sais moins bien que quand j'appuie, boum, il y a une LED à l'intérieur qui fasse une lampe. Ça fera une lampe de chevet zapper Nintendo. Et les contrôleurs, je sais pas du tout ce que je vais faire avec, mais je vais faire un truc cool. Voilà comment j'arrive à trouver des bonnes affaires grâce au Boucoin et grâce à la puissance des flux RSS. Si vous savez pas ce que c'est les flux RSS, peut-être un jour je vous ferai une vidéo dessus. Mais pour résumer, ça centralise en un seul endroit toutes les news de tous les sites que vous avez envie de suivre. Moi c'est là où j'ai toute ma veille, et c'est là où je regarde toutes les news de plein de sites. Je sais pas, PC Impact, Numérama, Boing Boing, Makery, plein d'autres sites. Plutôt que d'aller sur tous ces sites les uns après les autres, je vais sur NewsBlur et j'ai toutes les news et je peux lire toutes les news de tous les sites. N'hésitez pas si vous avez des tips, justement, sur comment trouver des purs trucs sur le bon coin. Je sais pas, des mots-clés bizarres que vous voulez partager avec tous les autres barbus. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Bien sûr, abonne-toi, quoi. Hein. Sinon, je vais aller le dire. Et ça va mal se passer. C'est tout pour ce petit vlog. Et puis, ben, à la prochaine.